Et moi, au boulot, je continuais à m'échiner pour rien. Ah, j'avais beau lever les yeux vers le haut, le plafond, il était en verre sécurite, à l'épreuve de toutes mes balles. J'avais plus quoi faire pour essayer d'avancer. Je connaissais personne. Ah oui, j'avais pas de réseau, comme on dit. Non, mais c'est ça souvent notre problème à nous, les femmes, hein. Entre la maison et le boulot, les journées sont tellement remplies qu'on n'a plus le temps pour autre chose. Même la gym, c'est la croix et la bannière pour se dégager un créneau. Et pourtant, s'entretenir pour nous, alors là, attention, hein, c'est carrément une obligation. Hein. Pas question que vous le laissiez aller, hein. Surtout en entreprise. Toujours fraîche, pimpante, look impeccable, la petite jupe qui va bien, féminine, mais pas trop. Bien coiffée, maquillée, épilée, manucurée, on fait ça quand, je vous le demande? À 3 h du matin. Puis alors, au moindre faux pas, on ne vous rate pas. Hein. Ah, ça, mais non, mais. Quoi qu'elles fassent, les femmes sont d'abord et avant tout jugées sur leur physique. Oh là 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 là. Mais t'as vu la tronche qu'elle a? Elle a pris un sacré coup de vieux, là. Eh ben, dis donc, son coiffeur, c'est pas son copain. Qu'est-ce qu'elle est moche, sa nouvelle coupe? Ça lui va pas du tout, ce carré. Eh ben. Elle a bien profité pendant ses vacances. Qu'est-ce qu'elle a grossi? Au moins 5-6 kilos, je dirais. Tiens alors, sa robe rose fuchsia, ça n'arrange rien. Hein. Elle n'a pas de miroir chez elle ou quoi? Etc, etc. Et en vieillissant, c'est de pire en pire. Comme a dit Sharon Stone, arrivé à un certain âge, vous avez le choix entre être un mérou ou un charpé. Sympa. Hein. Non, mais partout, on nous renvoie des images de femmes parfaites, à la plastique irréelle, irréprochable, des avatars. Mais pas ceux du film. Hein. Non, mais même les gamines de 16-18 ans sont contaminées. Bon, alors, ma chérie, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour ton bac? Bah, j'hésite. Soit des implants mammaires. Ou alors une liposuction des cuisses. Oh, ma chérie, t'as eu une mention, alors prends les deux. Et voilà, on en est. Non, mais pourtant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on aura beau faire, on ne pourra jamais rivaliser avec Photoshop. Alors, faut arrêter de se mettre la pression. Hein. Parce que pour une fois, c'est pas les hommes qui nous la mettent. Hein. Non, non, non. Bien souvent, ils nous trouvent très bien comme on est. Alors, si on essayait simplement d'être nous-mêmes, bien dans notre peau, bien dans notre tête, et ça, à n'importe quel âge, bah, ce serait déjà pas si mal. Hein. Ah, je suis contente. Ah, oui, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de sortir ça. Là. Ah, j'oubliais. On est aussi obligé de marcher avec ces trucs. Très joli, très esthétique. On en est toute folle de nos stilettos, hein. Mais bien souvent, quelle torture. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être les remettre, histoire de me réhabituer. Je peux pas retourner au cocktail pieds nus. Ça ne le ferait pas, comme dirait ma fille. Ouf. Ouais, ça fait mal. Mais c'est magique. 10 cm de plus, 10 kilos de moins. Hop là!